The Voice, combien gagnent les candidats lors des primes en direct? Les primes en live commencent ce samedi 21 avril dans The Voice. Les candidats vont devoir faire leurs preuves en direct. Des prestations qui seront rémunérées. Après 2 mois de compétition, l'heure des primes en live est arrivée. Les 16 candidats vont devoir s'affronter en live. Un rêve devenu réalité auquel va s'ajouter un salaire bien mérité. Des primes en live. La 7e saison de The Voice se poursuit sur les chapeaux de roue. Plus de 2 mois après le début de la compétition, il ne reste plus que 16 candidats. Un par un, ils vont devoir s'affronter en direct et seuls devant le public, les coachs et les téléspectateurs. Une pression immense associée à un avantage non négligeable, un salaire. Pour la première fois depuis le lancement de The Voice, les candidats vont être rémunérés. Des primes rémunérées. Invités sur Voltage, Liv Del Estal et Xamurican se sont confiés sur la somme coquette qu'ils allaient toucher avec les primes en live. Le candidat de 23 ans a annoncé. C'est le tarif minimum syndical. On a payé pour les répètes, ce qui est assez rare dans la musique, il faut le signaler, et pour les primes, ça fait à peu près 500 euros par semaine. Une rémunération qui leur convient parfaitement selon ses dires. C'est bien payé. Moi personnellement j'ai fait pas mal de choses dans la musique, ça ne m'est jamais arrivé d'être payé 500 euros la semaine. C'est cool. Je comprends qu'ils ne puissent pas le faire avant, mais c'est très bien qu'ils le fassent maintenant. Un bonus non négligeable qui s'ajoute au privilège d'avoir été sélectionné pour cette phase du show.